Yo, juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à activer la petite clochette sur ma chaîne pour recevoir une notification sur ton téléphone ou par mail dès que je sors une vidéo, comme ça tu seras l'un des premiers à voir la vidéo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la carrière jouée avec Manchester et aujourd'hui on affronte Chelsea dans le calendrier, donc on va voir ça tout de suite. Donc on aura un premier match et ensuite un deuxième match, donc deux matchs de championnat et ensuite un petit match de phase de poule d'Europa League. Mais en Europa League ça se passe plutôt pas mal pour l'instant, donc on est même sûr de passer. Niveau classement, donc c'est très très important parce que Chelsea sont 3e, ils sont juste derrière nous avec 22 points. Et donc faut absolument déjà gagner ce premier match et ensuite gagner contre Chelsea pour bien sûr mettre Chelsea un petit peu derrière. Et il y a également Stoke City qui est juste derrière avec même Liverpool, même Newcastle et Everton. Donc c'est même très serré, c'est vraiment très serré jusqu'à Everton. Donc voilà, et on a toujours Tottenham qui est donc premier avec 29 points. Donc peut-être le prochain champion. Et on peut voir en bas également que Arsenal n'y arrive pas. Arsenal vont-ils être relégués cette saison? On verra la fin. La saison dernière, ils ont réussi à ne pas être relégué, mais du coup là ça s'annonce quand même compliqué, ça fait deux années de suite. Donc du coup on est parti pour ce match. Oui, j'ai changé l'apparence un petit peu de mon joueur lors de la coupe, franchement j'aime pas du tout, mais je me suis dit oh, allez vas-y on va mettre ça, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai changé les chaussures, alors j'aime pas du tout, hein, mais c'est juste les nouvelles Pumas, c'était juste pour vous dire que voilà, il y a des nouvelles Pumas qui ont été ajoutées, c'est les Pumas Power Evo, un truc comme ça, enfin bref. Et on est parti, donc on peut voir il y a Griezmann en pointe, par contre moi je suis vraiment fatigué, il me fait pas souffler. J'allais dire siffler, mais non, il me fait pas souffler. Et même en défense, hein, ça a pas mal tourné en défense. Allez, c'est parti. Et donc, nous sommes donc la meilleure défense. On a un but encaissé, que 6 buts encaissés. Donc, je sais pas si c'est sur tous les matchs ou uniquement sur les matchs à l'extérieur, je ne sais pas du tout. Mais on est la meilleure défense, donc c'est plutôt cool. Donc, j'ai baissé également, j'ai enlevé un petit peu les commentaires, les volumes des commentaires, parce que j'ai trouvé que sur la dernière vidéo, on entendait pas mal les commentateurs et du coup c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc voilà, je les ai baissés, normalement ça devrait aller, on devrait pas trop les entendre. Sinon j'en les enlèverai complètement. Bien joué la récupération. On y va tout seul. Je vais être sur mon pied gauche. Oh merde, je voulais la donner, bon il est pas parti. On va tenter le centre. Allez le centre. Dommage. Et on obtient un corner en plus. On obtient un corner, donc c'est plutôt cool. Alors pour ceux qui suivent également la Carrière Manager avec l'OM, faut savoir que là ça y est, j'ai passé les transferts. Donc j'ai vendu Balotelli pour 30 millions. Donc j'ai vendu Balotelli pour 30 millions. Donc j'ai vraiment fait une bonne affaire. Et j'ai recruté quelques joueurs. Donc là voilà, l'épisode arrive bientôt. Je l'ai pas encore tourné, mais voilà, c'est juste que pendant la période des mercato, ça a mis un petit peu plus de temps. Histoire que je fasse que j'achète quelques joueurs, que je vende quelques joueurs. Mais voilà, l'épisode en carrière manager arrivera, alors pas tout de suite encore, mais arrivera bientôt. On a fait une bonne chose là, paf, hop, le petit centre. Ce centre il était tellement pourri. Je sais pas si vous avez vu sur les campagnes publicitaires là où vous pouvez voir FIFA Ultimate Team, il y avait un chien qui traversait le truc, mais c'était en fait une pub. Je pensais vraiment que c'était vraiment un chien quoi. Je fais putain, mais il y a un chien sur FIFA quoi. Je me suis tapé un délire là. Regardez, il y a un chien sur la pancarte. Je sais pas si vous voyez la pancarte rose là. Il y a un chien qui traverse. Ça m'a tapé dans l'œil. Je me suis dit non, il y a un chien sur le terrain. Bien joué ça. Allez, on enroule. C'est mon pied gauche, mais je sais pas si c'était cadré. Alors est-ce que c'était cadré? Il est possible que c'était cadré. Oh là là, mais les corners, laisse tomber quoi. Les corners, on les tire vachement mal. On n'est pas assez haut, on n'est pas assez haut sur le terrain. Ils font ce qu'ils veulent là. On n'est pas assez haut. Je veux bien croire qu'on est à l'extérieur, mais faut pas abuser. Moi, je suis mort. J'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. Je pense que je vais demander le remplacement. Ça sera mieux. On va simuler le match. On verra si on a gagné le match ou pas. Mais là c'était compliqué. Quoique là on a récupéré. Allez. Paf. C'était pas pour lui. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, il a laissé le ballon. Allez, il y a moyen là.
Allez. Allez. La frappe. Et ça tape la barre. Bon, du coup, j'ai demandé à être remplacé. Donc, dès le prochain arrêt, je vais être remplacé. Pogba, il a fait son entrée. C'est là, du coup, c'est compliqué quand même. Avoir une petite énergie comme ça. Bien joué, ça, l'opposé là-bas. Dommage. Ça sera Sanchez qui va me remplacer. D'ailleurs, j'avais dit qu'il était défenseur, alors que pas du tout. C'est un milieu. Alors voilà, on a simulé. Alors, franchement, tous les joueurs étaient fatigués en fait. Hein. Toute l'équipe était fatiguée. Alors, on va aller voir au calendrier. Il me semble que on a fait 0-0. Voilà, c'est ça. 0-0. Et on est deuxième. Oula, Chelsea qui ont perdu du coup. Oh, Chelsea, ils ont fait un bond à la cinquième place là. Je sais pas ce qui s'est passé. 22 points, ils ont dû perdre. Je ne sais pas du tout. On a tout joué la 13e journée. Et bah, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, on a fait match nul. Alors, ouais, même là, on n'a même pas récupéré à 100%. Hein. Mais bon, l'équipe déjà, elle est remaniée. Ils sont pratiquement tous en forme, à part moi. Donc du coup, on a 10 balles en pointe, pas de Griezmann. Et le retour des joueurs titulaires en défense. Donc, je le sens bien. On va voir un peu la composition en face après de Chelsea. Alors, la compo de Chelsea. On a Michy qui est titulaire, Hazard, Pereira, on a Raphaël Varane, Apsile Queta. Sur le banc, on a Locremi, on a Oscar, Bertrand Traoré. Également que j'ai essayé de faire venir en carrière manager avec l'OM. Et le club avait accepté, mais lui, il voulait pas venir. J'ai proposé un salaire de 200 000 euros. Et même là, il refusait. Donc malheureusement, j'ai pas pu le recruter. Bon, une bonne équipe de Chelsea. Par contre, de notre côté, nous, c'est dommage qu'ils nous mettent pas quand même Griezmann et Pogba. Alors peut-être qu'ils ont quand même du mal aussi à récupérer niveau endurance. Mais Pogba, il joue de moins en moins de matchs. Enfin, il est moins en moins titulaire. Donc c'est un peu dommage, mais bon. La plupart du temps, ils rentrent souvent. Enfin, ils rentrent pratiquement tout le temps en seconde période. Mais c'est dommage. Voilà. En pressant, il y aura des coups à jouer. Paf. Oh là là, mais mes passes, c'est quoi? C'est mes quoi? Je fais des mauvaises passes. Paf. Bien joué, ça. Ça, c'est très bien joué. Oui. Ouh, il a été tout seul. Attention, il va me la redonner. Pourquoi pas? Dybala. Oui, le 1-2. Oh, dommage. Allez. C'est Dybala qui tire les corners. C'est bien tiré, ça, au premier poteau. Oula, oula, oula. Paf. La frappe, oui, avec un peu de chance. Et ça compte comme passe décisif. Oui, 1-0. Oh là là, cette chance qu'on a sur ce but. Bah, fallait bien commencer contre Chelsea. Fallait surtout gagner contre un concurrent direct. Bon, même si le match il est pas terminé. On a quand même de la chance sur ce but. Franchement, j'ai pas forcément trop compris, mais... Dybala. Bien joué. La frappe. Ça y est, je crois qu'on est rentré dans le match là, Courtois. Elle était belle cette frappe. Cadré. Pourquoi pas y mettre une petite tête là sur corner. Peut-être une deuxième chance. Là, oh, il y a de l'espace là. Je suis avec mon pied gauche, mais... Quoique... Oh là là, c'est encore un cafouillage dans la surface. Pour l'instant, Chelsea, ils n'ont pas frappé une seule fois. Hein. Sur le coup de pied arrêté, ça avait rien donné en début de match. Oh, dommage. Oh, Dybala, bien. Oh, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bien joué, Dybala. Dybala, oui, je suis derrière. Non. Allez, bim. Oh là 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 là, mais c'est un cafouillage dans la surface à chaque fois qu'on a une occasion. Allez, on récupère. On a perdu le ballon, mais on récupère derrière. Là, entre les joueurs, la petite remise. Oui, le 1-2. Malheureusement, c'est au-dessus. Oh, c'est bien fait, ça. Oh, Dybala qui arrive à bien contrôler le ballon. Ouh là 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 là, le tacle. Bien joué. Le tacle de Varane. Bien joué, la récupération. Franchement, c'est une grosse, grosse bataille hein, pour récupérer le ballon là dans cette fin de match. Là, je suis hors-jeu. Oui, là, j'y suis plus. Oh.
Oh là 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 là. Dommage, putain, Pogba il a fait la bonne passe au bon moment. Et voilà. Victoire 1-0 contre Chelsea. Bon, franchement, pas terrible le match. Un peu de cafouillage dans la surface. Bon, du coup, on va pas passer par le match de l'Europa League puisque en Europa League on est déjà qualifié. Donc j'ai simulé le match, on a gagné 3-0 net. Donc on finit premier de notre phase de poule. Et on va passer directement à Liverpool. Ensuite, derrière, on aura quand même deux gros matchs encore. Donc je pense que cela, ça sera également dans l'épisode suivant, je pense. Mais avant tout, ils ont ajouté des nouvelles chaussures dans le catalogue. Je viens juste de voir ça. Ils ont encore ajouté des nouvelles chaussures. Alors, c'est des Nike. Franchement, quand je les ai vues, j'ai fait waouh! Elles sont mortelles. Mais quand vous les portez, je sais pas vous, je sais pas si vous aimez. Alors, c'est des Nike. Alors, on va les chercher un petit peu. Voilà, on s'y approche. Et c'est celle-là. Je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime bien en fait les espèces de petits carrés qu'il y a dessus. La couleur, j'aime un peu moins. Après, j'aime pas forcément le vert. Mais elles sont quand même plutôt pas mal. Alors, elles sont disponibles dans la catalogue. Genre, je me rappelle plus combien il faut être au niveau. Parce que vous avez des niveaux pour pouvoir les débloquer. Et comme moi, je suis niveau 79, on va dire que je peux un peu débloquer tout. Donc, je peux pas vous dire. Mais en fin de compte, je trouve que ça va, ça passe. Bon, le vert, ça fait un peu dégueulasse. Je sais pas comment vous les trouvez. En tout cas, n'hésitez pas à aller dans le catalogue pour voir si vous pouvez les débloquer. On a Griezmann en pointe. Ensuite, ça reste du classique. Voilà, en défense, ça change pas. À droite, on a Mario, ancien joueur de l'Inter de Milan. Allez, on est parti avec nos nouvelles paires de chaussures. Ouais, ça, c'est bizarre comme couleur, hein. C'est du rouge orangé, un petit peu avec du vert. Moi, en tout cas, je suis pas fan, mais ils sont quand même stylés. On va pas dire qu'ils sont moches. Après, chacun ses goûts. Mais c'est vrai que ça aurait été une autre couleur à la place du vert. J'aurais bien aimé. Voilà, là, il y a un coup à jouer. Paf. Oh, bien joué, ça, c'est bien joué. Si j'arrive à lui redonner là juste derrière. Paf. C'est pour Griezmann. On a pu voir qu'il y a Mahrez du côté de Liverpool qui a signé à Liverpool. Là, on m'a mis un bon petit coup dans la jambe. Non, c'est bon, je me relève. Dans tous les cas, j'ai baissé la gravité des blessures. Hein. Je l'ai mis à 30. Normalement, ça devrait aller. Hein. Même si je me blesse, ça devrait pas être très très grave. Parce que. Oh, c'est bien fait ça. Ça, c'est bien fait. On va aller au deuxième poteau. Oui. La petite tête. Oh. Oh non, dommage. En plus, j'adore ça marquer des buts de la tête. Je kiffe. Oh là, la récupération là. Encore. Sur Griezmann, ça circule si tu peux bien, me la redonner, ça serait pas mal. Hop, je te la redonne. Tu centres. Et il n'y a personne. Oh, quel dommage. On aura peut-être une nouvelle chance là. Non. Allez, on est parti. Seconde période. Et il y a Rabiot qui a fait son entrée à Liverpool. L'ancien parisien qui nous a fait mal d'ailleurs en carrière manager. Bien joué ça. Oh, dommage. Je suis passé à travers là. Attention à Rabiot qui donne déjà des bons ballons là. Ouf. Corner. Rabiot il peut vraiment être décisif hein. Sur ses entrées. Tension quand même. Hein. Pogba qui a fait son entrée comme d'habitude. 50e minute il fait son entrée. Alors que je me prends des gros coups d'épaule. Je perds le ballon. Heureusement. Heureusement parce que là je me serais pris de but. Ça aurait été à cause de moi. J'ai perdu un ballon au milieu de terrain. Et tout de suite hein, ça va très très vite. Très très vite du côté de Liverpool. Il faut vraiment éviter. Ouf, oh là 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 là. Elle est contrée, hein, c'est quoi? Ouais, elle est contrée, c'est ça. Hein. En ce début de seconde période, on n'est pas top top là encore. Hein. Oh, et même les relances du gardien, c'est juste. Hein. Là, l'attaquant, il a failli nous la prendre. Allez, on va être dans le temps additionnel. Les Griezmann! Oui. Oh là 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 là. Bien joué. Oh malheureusement, c'est fini. Mon triste 0-0. On a eu quelques petites occasions, mais c'est dommage. On a eu pas mal le ballon. Alors, du coup, niveau classement, ça va donner quoi? Tottenham qui ont encore gagné, Chelsea qui ont gagné. Alors, Stoke City, on est toujours deuxième, donc on a de la chance.
Tout ça la 15e journée. Ouais. Franchement, on a de la chance. Hein. Par contre, Tottenham, ils gagnent et ils prennent de l'avance. Hein. 35 points maintenant. Donc voilà, en tout cas, pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à mettre le petit j'aime à la vidéo et n'hésite pas à me dire ce que t'en penses des nouvelles Nike. Franchement, moi, je les trouve plutôt pas mal. C'est vrai que la couleur verte, j'aime pas trop. Après, chacun ses goûts. Et on se retrouve du coup, nous, très très vite pour une vidéo. Allez, ciao tout le monde.